Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Jérémy, il fait de l'animation et il va nous en parler, on va en discuter ensemble et en gros le sujet aujourd'hui ça va être, on va dire comment on peut faire de l'animation sans forcément être dessinateur, la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Donc je te laisse te présenter et puis dire un petit peu ce que tu fais via ta chaîne, tout ça. Ça marche. Déjà, merci Benjamin de m'avoir invité. Ça me fait ultra plaisir. Et donc, moi, c'est Jérémy, alias le Lascar, et ma chaîne, c'est le Lascar Arena Fight. Donc, sur ma chaîne, je fais des combats de Stickman. Je crée des petits bonhommes en 2D et je les fais combattre. Mais la particularité de tout ça, c'est que ce sont les gens qui créent les personnages. Donc, dans la section commentaires, ils écrivent, je sais pas, moi, mais mon personnage, il a des yeux en laser. Moi, mon personnage, il a un katana. Je prends leurs deux personnages et je les fais se battre. Donc c'est une chaîne à la fois participative et en même temps qui est narrative, etc., quoi, à travers de l'animation. Elle est très, très, je pense, elle est à 70% participative parce que c'est vraiment ça la base. Et après, 30% un peu de narration parce que je suis pas vraiment bon pour créer des histoires. Mais après, mon point fort, c'est vraiment au niveau de la mise en scène des combats. Y a un truc que je me demandais, on va y venir petit à petit, je vais dire un peu dans le désordre ce dont on va parler. Donc déjà, c'est... Qu'est-ce que tu utilises comme matériel, choses, etc. pour faire de l'anime? Mais d'abord, pourquoi est-ce que tu fais de l'animation au départ? Et surtout, pourquoi est-ce que tu fais de l'animation sans avoir un... Enfin, je ne sais pas si tu as un parcours de dessinateur ou si ça t'intéresse pas et que c'est seulement l'anime qui te botte. Donc, un petit peu Ah ouais, là-dessus. tu m'as incendié de questions. Donc, bah déjà, au niveau de ma motivation, on va dire. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Du coup, pourquoi j'ai choisi l'animation? En fait, à la base, je voulais pas faire de Ah l'animation ouais. parce que je savais que c'était un travail colossal d'ermite où tu restes dans ta chambre ou chez toi et tu dois bosser, bosser, bosser. Surtout qu'en plus, il n'y a pas de raccourci dans l'animation, il n'y a pas de choses, de techniques qui peuvent te faire gagner du temps. C'est vraiment, tu dessines image par image de toute façon. Il n'y a pas de raccourci là-dessus et voilà. Et donc, je voulais pas faire de l'animation et j'ai commencé par faire de la vidéo avec des effets spéciaux. Je me suis entraîné sur After Effects et tout ça. Mais on se rend vite compte qu'il n'y a pas le même rendu. Et que pour moi, j'avais déjà cette idée de créer un univers avec plein de personnages, plein de pouvoirs et tout ça. Sauf que pour le faire en vidéo, faut vraiment un gros budget si on veut vraiment que ce soit impressionnant. Donc Tu j'ai veux dire vite avec des laissé. vrais des acteurs, tout ça? Ouais, ok. Exactement, avec des vrais acteurs, des effets spéciaux aussi, enfin se mettre en scène dehors, des fonds verts, enfin tout ce genre de Ouais. choses. Pour moi, c'est très difficile à mettre en place quand voilà, t'as une vieille caméra et t'as pas de fond vert et t'as rien et t'as que ton frère qui tourne avec toi ou Ouais. des choses comme ça, tu vois. Et j'ai vu que techniquement, c'était compliqué. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime et qui pourrait faire l'affaire à ce niveau-là? Et là, j'ai pensé à l'animation. Donc, mais j'avais vraiment, en fait, je voulais pas le faire parce que j'ai aucun background au niveau du dessin, de l'art. Enfin, j'ai pas du tout fait ce genre d'études. Moi, j'ai fait des études d'informatique, j'ai étudié l'ingénieur informatique, donc absolument rien à voir. Je sais pas dessiner, rien. Mais après, je me suis dit, si quelqu'un a pu apprendre à dessiner et à animer, eh ben, je peux très bien le faire. Et donc, j'ai commencé il y a un an à animer. Après, bien entendu, au début, c'est très laborieux, on a envie d'abandonner un milliard de fois. Mais bah, la chance avec YouTube, je l'avoue pour le coup, c'est que bah, tu as des gens qui regardent, tu as des gens qui aiment bien et qui envoient des commentaires et tout ça, et ça te soutient directement. Et c'est justement là-dessus, on va arriver un peu à la technique utilisée, parce que là, je vais montrer quelques images de ce que tu fais. Et je trouve que c'est hyper dynamique. Et il y a, enfin, comme c'est du stickman, les poses n'ont pas besoin d'être super élaborées. Mais c'est juste dans la façon dont tu vas Exactement. les agencer, etc., que ça va faire un truc méga dynamique. On parlera du son après, parce que ça va jouer vachement. J'ai Ouais. envie de savoir comment tu Mmh. te démerdes à ce Ouais. niveau-là. Ah. Mais rien que par rapport à l'image au départ, comment tu te débrouilles en fait? Tu utilises Flash, si j'ai bien compris? Exactement, j'utilise Flash en plus la vieille version parce que elle est facile à avoir et elle est pas chère, enfin elle est gratuite. Ah, Et même tous les elle a grands. été mise en ligne gratuitement parce qu'elle est ancienne en Exactement, fait. parce que exactement, elle est tellement ancienne qu'ils se sont dit bon, on la donne et puis voilà. D'accord, ok. Et Je savais pas. J'avais vu que tous les animateurs que je suis utilisent cette version de Flash. Donc il y a 3-4 vraiment très très bons animateurs que je connais, que j'ai découvert en fait. C'est eux qui m'ont donné l'envie bah, d'utiliser des Stickman aussi parce qu'ils m'ont montré que même si c'était que des Stickman, si tu t'apprends au niveau de la gestuelle, la physique, les effets, enfin.
Tout ce genre de choses, tu peux vraiment avoir un rendu qui est très impressionnant, même si le dessin de base est très simpliste. Et c'est ce que j'ai appliqué justement dans, c'est ce que j'applique justement dans mes animations. Et c'est pour ça qu'on peut dire que, ben c'est pour ça qu'on me dit souvent que mes animations ont beaucoup de, sont très dynamiques, autant au niveau de la gestuelle des personnages que qu'au niveau de la caméra, comment elle bouge, ce genre de choses. Après, c'est sûr qu'au niveau dessin, comme j'ai dit, mon truc, c'est vraiment pas le dessin. C'est pour ça que, bah, que je garde vraiment l'aspect simpliste et je me focus vraiment sur les chorégraphies et comment je dirige ma caméra. Et qui sont les animateurs qui t'ont inspiré? Tu dis qu'il y en a 3-4, c'est uniquement des gens qui travaillent sur Internet et que tu as découvert en vidéo, C'est etc. sur Internet et aussi dans des mangas. Enfin, il y en a un notamment qui est très connu d'ailleurs dans les mangas, c'est Yukata Nakamura. Excellent animateur, mais incroyable avec des scènes genre. Je pourrais faire une poésie à Ouais. son encours pour lui. Il y a qui encore? Et aussi, y a les trois animateurs que j'aime beaucoup sur YouTube. Son Hyun's Dojo, je sais pas si tu connais le dojo. En fait, c'est quelqu'un qui il a commencé tout seul, il faisait des animations stickman. Ensuite, il a fait un dojo où là, il rassemble un peu tous les animateurs et tous les sur cette chaîne-là. D'ailleurs, si des gens font de l'animation, je trouve que c'est un très bon moyen bah, de faire connaître ces animations. On leur envoie, ils sont plutôt sympathiques et comme ils postent beaucoup, on a une haute probabilité de passer, de faire découvrir ce qu'on fait. Donc le premier c'est Hyun de Hyun's Dojo. Ensuite on a Guzu, beaucoup moins connu mais pour moi c'est le, je dirais que en indépendant c'est le meilleur. Il dessine le personnage en entier et malgré, enfin même en dessinant des personnages en entier vraiment bien détaillés, il fait des combats hyper dynamiques et stylés brièvement. Et ensuite on a un troisième qui s'appelle Optical Core. Optical Core aussi, bah, c'est à peu près la même chose, sauf que lui, il garde toujours aussi l'aspect un peu Stickman, mais pareil, des combats ultra dynamiques. J'aime beaucoup les combats, je vous allez, enfin, C'est tu vas là où j'allais en sûrement arriver, entendre c'est ça. t'aimes bien te battre en fait, c'est ça? Bah, c'est un truc, c'est bizarre, c'est depuis que je suis petit, c'est juste le truc qui m'inspire, qui me fait ressentir le plus de choses. J'aime trop voir un bon combat. Genre, il y a des gens, je sais pas, ils aiment des comédies romantiques, t'as des gens, ils aiment bien chanter, t'as des gens. Bref, t'as un tas de trucs, et moi, ben, c'est le combat. J'aime que le combat. Oh, Du coup, ma j'aime bien la pelouse, dès bagarre, que quoi. C'est ma passion, j'ai. quoi. Mais c'est trop ça. C'est trop ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai du mal à faire autre chose que des combats. Dès que mon personnage, il marche un petit peu calmement ou il fait un truc gentil. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal. En plus, ça me saoule rapidement quand je Ouais. dois faire ça. Alors que quand je fais un combat, je suis pris par le truc et j'aime faire que ça. Donc vraiment, si je devais choisir une spécialité dans l'animation, ce serait vraiment de faire des animations de combat. Et donc là, tu parles de spécialité dans l'animation, c'est un truc que tu aimerais bien faire, vivre de ça, etc. Genre hors dessin Ah Stickman, oui, carrément. ou Ah oui. peut-être de Non, l'anime 3D pas aussi. hors. En fait. Sur ma chaîne YouTube, j'aimerais vraiment garder ce concept de Stickman. Ok. Même si j'aimerais bien le faire aussi avec des personnages en entier. Mais le truc, c'est que, comme je l'expliquais précédemment, c'est une chaîne vraiment 80% collaborative avec beaucoup de gens qui posent leurs personnages et tout ça. Et du coup, ben, l'animation, ça met du temps. Et le but, c'est pas non plus de mettre 3 mois à chaque fois, parce que pour la dernière animation, j'ai mis 3 mois à la faire. Et Ouais. j'ai pas envie de mettre tout ça de temps à chaque fois. En plus, si je fais des personnages bien détaillés, tout ça, ça me prendra encore plus de temps. Donc, je garde les stickman pour l'aspect simpliste de leur design, mais qui me permettent aussi de faire des très bons combats. Donc, ça, en fait, ça me permettrait de créer un maximum de personnages et de faire participer un maximum de monde, tout bêtement. Après, c'est sûr que, voilà, dans mes rêves les plus fous, eh ben, j'aimerais bien en vivre, mais toujours, enfin, j'aimerais bien en vivre sur YouTube. J'ai pas envie d'être dans un studio d'animation. Ouais. Enfin, je préfère en faire dans ce cas-là et de créer mes propres films. Et voilà. Après, à ce niveau-là, par exemple, je sais pas, dans un rêve fou, j'aimerais faire un film au cinéma. Et là, je ferais des animations avec une équipe, avec des personnages qui sont en full body, ce genre de choses. Donc tu superviserais l'animation parce que ton truc c'est plutôt de Exactement. tu t'y connais en mouvement, pas forcément en. Pas forcément en termes de dessinateur, mais plutôt dans celui qui va pouvoir dire, Exactement. bah là tu vas donner tel truc à tel endroit. Donc tu pourrais être Exactement. L'angle un de bon superviseur, caméra quoi. ou même. Exactement. Après, j'aime bien animer aussi.
Mais si... après, ça se trouve que dans... Parce que ça va forcément prendre du temps d'arriver jusqu'à ce point-là. Et peut-être quand j'y arriverai, ben, j'aurai déjà le niveau pour faire moi aussi dessiner en full body. Mais si j'y suis pas, ouais, je serai plus superviseur à ce niveau-là. Ok, est-ce que t'as déjà pensé à l'animation 3D aussi? Parce que c'est des marionnettes déjà faites et qu'ensuite J'avais tu... exactement, j'y avais pensé. Sauf que c'est le rendu, il n'est pas... Il n'est pas... Comment je pourrais expliquer ça? En fait, j'ai essayé et j'ai du mal à faire quelque chose de très dynamique en 3D. Ouais. Peut-être parce que c'est un peu plus réaliste. C'est sûrement parce que c'est plus réaliste dans le sens où moi, par exemple, quand je dessine un personnage, quand il se prend un coup, je vais faire en sorte qu'il se le prend tellement fort que ça déforme le personnage. Tu le vois même plus. Après, il se transforme en boule tellement il se cogne, des choses comme ça. Et en 3D, ben... J'ai essayé, c'est plus compliqué de faire en sorte que ça colle, voilà. Parce que en 3D, quand je le faisais, c'était pas cohérent, ça rentrait pas dans l'animation. Et en 2D, en revanche, quand je le fais, ben, ça rentre parfaitement dedans. Les gens, limite, ne le voient même pas, en fait. Ok, Donc, donc c'est. 3D, c'est pas, pour moi, c'est un peu trop réaliste, à mon goût. Et la... enfin, là, dans ce que tu dis, je me dis que la 3D, c'est peut-être la gestion du poids ou un truc comme ça, faire semblant que quelque chose est lourd en 3D, c'est peut-être plus compliqué, alors que là, tu fais deux traits et puis c'est bon, quoi. Donc tu gardes l'expressivité de ton trait que tu peux pas. C'est plus, je trouve qu'en 2D, on peut plus exprimer tu peux plus sortir du cadre, on va dire, qu'en 3D. En 3D, t'as ton personnage, il est modélisé, voilà. Bon, après, je lui connais pas un truc de ouf en 3D, mais je pense que voilà, tu modélises ton personnage. Après, c'est une marionnette, donc t'as pas le redessiner à chaque fois. C'est ton personnage, tu viens, tu fais bouger son bras et tout ça. Alors que en animation 2D, c'est vraiment quand je dessine, je fais absolument ce que je veux. Le personnage, je peux le transformer en simple trait Ouais. et ça va garder sa cohérence. On va toujours penser que c'est lui le personnage qui est en train de se battre ou voilà. Et même au niveau des effets d'explosion et tout ça, même si je pense en 3D, tu peux faire un tas de choses, mais je me sens vraiment libre. Je me sens vraiment libre en fait qu'en 2D. Après, je pense pas qu'il y a un meilleur média, enfin un meilleur Une meilleure format que. technique, oui. Voilà, exactement. C'est plus par rapport à ce qu'on ressent. Et moi, vraiment, la 2D, c'est le format que je ressens vraiment le plus. Ouais, donc ça te permet de rester spontané, parce que dans la 3D, pour expliquer, en gros, il faut modéliser le personnage dans son espace 3D et tout ça. Ensuite, il faut lui rajouter un squelette, et souvent, c'est des personnes spécialisées à chaque fois qui vont faire. C'est typiquement le... Enfin, c'est un truc assez compliqué à mettre en place, en fait, donc c'est peut-être aussi que ce serait super long, et puis qu'on n'a pas forcément les compétences Oui, techniques pour aussi. faire... Alors que toi, Ah, t'arrives, si, tu fais tes ouais. traits, et puis tu dessines directement, quoi. Exactement. Exactement. J'arrive. Ouais. Et comme tu as dit, Ouais. j'arrive. Je fais mes traits. Je dessine directement. Je peux faire cinq personnages d'affilée tout seul. Je me dis, c'est niveau autonomie. Je pense, en fait, c'est plutôt adapté à YouTube. Dans le sens. Ouais. Parce que, enfin, vu que c'est une aventure qui se déroule sur YouTube et la trame principale, voilà, c'est mon aventure sur YouTube avec mon nombre d'abonnés. Et YouTube demande des vidéos assez souvent. Donc. Je peux pas, si je veux continuer mon aventure, on va dire, je peux pas me permettre de pas jouer avec les règles de YouTube, c'est-à-dire de sortir des vidéos assez souvent. C'est pour ça qu'il me fallait une optimisation au niveau temps et dynamisme des combats, ce genre de choses. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le truc idéal pour... Enfin, j'ai l'impression que t'es un peu comme moi, tu préfères faire quelque chose tout seul plutôt que de travailler dans une grande équipe et de ne pas avoir la Ah main sur tout oui! ça. Exactement. En plus, moi, j'ai du mal à travailler en groupe, j'avoue. En plus, il Ouais. y a plein de gens, ils m'ont envoyé des messages pour me dire oh, je pourrais t'aider, je pourrais dessiner ça, je pourrais faire ça. Et enfin, en plus, ils ont l'air enjoués, ça me fait plaisir. Ouais. Mais je fais tout moi-même. Et c'est peut-être un défaut, et peut-être que j'aurais dû. Enfin, je pense que je devrais lâcher ça parce que j'ai quand même mon rêve de faire Un un long studio. métrage. Exactement. Mais j'ai vraiment du mal. J'aime bien tout faire moi-même. Ah, je comprends carrément. Et après, justement, par rapport à la chaîne, tu mets combien de temps à faire je sais pas si t'appelles ça un épisode, ça s'appelle des épisodes ou c'est un Ouais, c'est épisode. des épisodes. Donc tu mets combien de temps à produire ça? Comment tu procèdes pour faire ça? Comment je procède? On va dire il y a trois grandes phases. Première phase, la phase recherche dans les commentaires, dans les messages qu'on m'a envoyés, des personnages tout simplement. Donc je regarde dans tous les personnages ce qui m'inspire. Et les personnages aussi, c'est pas juste ce qui m'inspire, c'est ce que j'ai envie d'apprendre parce que l'animation, c'est un éternel entraînement.
Et surtout, moi, en plus, ça fait un an, donc j'ai même pas encore pu tout animer. Et je vais prendre des personnages, soit qui m'inspirent vraiment, ou soit que j'ai sur des sujets sur lesquels j'ai besoin de m'entraîner, comme par exemple le feu, j'ai besoin de manipuler le feu, voir comment ça marche, ou l'eau, la terre, ou des trucs qui sont lourds, enfin vraiment apprendre à manipuler les différents objets dans l'animation pour leur donner un poids, tout ce qui est autour de la physique au niveau de l'animation. Et ensuite, les personnages qui m'inspirent, donc là, voilà, un assassin, il a l'air cool, la personne a créé une bonne histoire par rapport à son personnage. Ça va me donner envie de créer son personnage et de faire en sorte de bien le créer. Parce qu'après, une fois qu'il a créé, après moi, je rentre en contact avec lui, on le recrée ensemble pour en faire quelque chose de vraiment unique. Et ensuite, je l'anime. Et d'ailleurs, c'est ça qui me rapporte le plus de satisfaction, c'est quand j'anime bien le personnage d'une personne. Mais bon, bref, là, je suis en train de divaguer. Donc, première phase, recherche de personnage. Et ensuite, deuxième phase, storyboard, le plan et tout ça. Et justement, là, on va dire, il y a un premier prévisu de. Je détermine en gros combien de temps je vais prendre pour le faire. Normalement, c'était un mois. Normalement, c'était un mois. Ouais. Mais c'est jamais un mois. Mais la Surtout qu'en vie a plus. fait que. Ouais, exactement. Franchement, ça fait 7 mois, j'ai pas respecté mon planning de un mois. Et forcément, parce que je m'améliore, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de mettre plus de personnages. Donc au final, ça a tendance à se doubler et voire à se tripler dernièrement. Et c'est pour ça que là, je vais essayer de m'améliorer à ce niveau-là. Donc deuxième partie, storyboard, je planifie tout ça, le temps que ça va me prendre. Et troisième phase, animation. Bon, après, dans l'animation, il y a plusieurs phases aussi. Ouais. Mais on va dire, après, c'est vraiment, La tu restes production, dans quoi. ton coin pendant. Exactement, voilà, t'es en production. Tu t'assois tous les jours, tous les soirs, tout le temps, et tu dessines devant ton PC, tout le temps, et voilà. Et comment tu définis la décomposition de ta séquence, que ce soit au niveau des mouvements de la caméra ou de la baston en elle-même et tout? Comment tu définis, est-ce que c'est assez, comment dire, spontané, dans le sens où tu te dis bon ben là il va le frapper comme ça et ensuite arriver là, ou c'est un peu plus méthodique que ça? Comment tu fais pour dire comment les gens se tapent en fait? C'est extrêmement spontané. C'est comme tu as dit, c'est vraiment, c'est. Je viens, je commence, enfin, je commence à dessiner un personnage et tout vient d'affilée comme ça, mais vraiment point par point. Dans mon storyboard, par exemple, je mets les grandes lignes. Lui, il est vivant, lui, il est mort, lui, on lui coupe un bras, lui, il perd une tête, nanana. Il Ça, perd c'est une les. tête Je parce que mets des fois juste ils en ont les. plusieurs. C'est ça, exactement. Et donc après, quand j'arrive dans l'animation, en plus quand je regarde après mon storyboard et final et l'animation que j'ai fait, ça a jamais, enfin, il y a tout le temps un décalage incroyable. Parce Ouais. qu'après, je me laisse juste emporter par le flux de la bagarre, si je puis dire. Et après, c'est juste, je réfléchis directement, je fais du. Même ma méthode d'animation préférée, c'est du pose-to-pose. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, ils vont prendre leur personnage, ils vont dire, donc là il met un coup de poing, là il met un coup de pied, ils vont mettre tous ces, Les poses clés, on appelle ça, ouais. toutes ces images de leur personnage, voilà, sur toute la timeline, ils vont dire, là il met un coup de poing, là il met un coup de pied, nanana. Alors que moi c'est, il met un coup de pied, après je continue, là il va mettre un coup de pied, pardon, après là il va mettre un coup de poing, et après il va mettre un coup de pied, oh non, en fait, évidemment, il va juste mettre un coup de pied, c'est vraiment étape par étape que je le fais. Là, je fais pas genre toutes les grandes lignes en mettant chaque étape, coup de pied, coup de poing, combo, nanana. C'est vraiment Ok. étape par étape. Parce que en gros, pour expliquer un peu, je me rappelle plus les termes techniques, mais je crois qu'il y a pose to pose et l'autre c'est straight ahead ou un truc Straight comme ça. ahead. C'est ça. Ouais. Donc en gros, pose to pose c'est. Mais je crois que t'as pose to pose c'est quand tu définis tes poses à l'avance, non? Ah non, exactement, c'est pose. Donc J'ai toi confondu tu les fais deux. du toi tu fais l'autre en fait, oui. Je fais du straight ahead, ouais. Donc pour expliquer le pose to pose, en gros, on va dire que si je suis comme ça et que je veux faire un mouvement comme ça. Je vais dessiner ça, essayer de timer les deux, donc de mettre dans le temps pour que ça fasse bien. Et après, je vais dessiner ce qu'il y a entre les deux. Alors que toi, ce que tu fais, c'est que tu dessines Exactement. ça, 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 ça. Ok. Ouais, c'est plus le genre de choses que je fais aussi. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas la technique pour faire autrement, mais j'aime bien faire comme ça, dessiner, faire le mouvement Ouais. comme au ralenti, en fait, et le Et dessiner comme ça, quoi. exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et après, tu remodifies quand même ton timing derrière, donc c'est-à-dire que tu vas mettre tes dessins qui durent plus ou moins longtemps et tout. Et voilà. En Ouais. fait, la base, tu peux, enfin, tu le dessines.
on va dire de façon brute au début. Donc après, tu as peut-être l'impression que ton personnage, après, il est trop rapide, il est survitaminé. Et après, toi, tu réduis ça en... par exemple, quand il a fini son coup de poing, bah là, il ralentit parce que il a plus d'élan de vitesse, il a mis son coup de poing et il s'arrête. Donc là, tu vas ralentir un peu dans les frames. Là, je pars trop en technique. Ouais, non, c'est bien aussi, ouais. Faudrait que je pense. Mais voilà, en gros, après, c'est toi, tu commences à timer un peu ton personnage pour lui donner vraiment une... Que faire en sorte que son enveloppe physique soit cohérente. Donc, ça veut dire quand il se baisse, ça se ralentit. Quand il saute, il va prendre de l'accélération, il va sauter. Après, ça va se ralentir en haut pour donner vraiment vie à ton personnage. Ouais, c'est le genre de méthode que je fais aussi. Ça me semble plus marrant à faire en fait plutôt que de Oui, décomposer, de faire exactement. des. Exactement. C'est plus drôle parce que l'autre, ben, moi, par exemple, j'ai l'impression. Bah après, c'est un devoir, tout est déjà là et j'ai juste à remplir tout. Et j'aime pas trop, j'aime bien pouvoir me libérer au niveau des chorégraphies et ce genre de choses. Bah après ouais, ça peut devenir très technique. J'ai des bouquins là-dessus que j'ai pas forcément encore appliqué et tout, mais tu définis à l'avance tes pauses pour savoir combien de temps va y avoir entre deux, etc. Exact. Évidemment, c'est pas moins intéressant, mais Ah non, non, pas du tout, pas ça, du ça me tout. semble moins instinctif et moi, des fois, je suis un peu impatient dans mes trucs aussi, donc Oui. il y a ça aussi, quoi. Ouais. Je suis pareil là-dessus. Et donc là, on va dire que maintenant, ton animation est terminée et tu vas rajouter ensuite les mouvements de caméra, tu les fais pendant ton animation ou tu rajoutes une fois que toute l'animation est finie? Alors, dans l'animation, les trois phases. Il y a la phase, la plus grosse phase, c'est le dessin. Donc, dessiner image par image toute l'action, toute l'animation. Deuxième phase, la phase du son, c'est-à-dire de mettre un son sur chaque action, sur chaque bruit, sur chaque chose que le personnage fait, même l'environnement, de mettre un bruit sur chaque chose dans l'animation pour la rendre vivante. Et en dernier, je fais la caméra. D'accord, ok. Donc la caméra, c'est juste un carré, en fait, où ben, tu bouges le carré pour suivre ton personnage. Et c'est comme si tu tenais une caméra et que tu filmais un peu ben, ton personnage, en gros. Donc ça, c'est les trois principales phases en animation. Du moins quand... Ah non, il y en manque une, c'est l'ajout des effets. Donc il y a l'animation brute, donc là c'est ton personnage, il bouge, il marche, il court. Et les effets, c'est la poussière que tu vas faire derrière Ah avec des d'accord, ok, oui. particules, le sang, l'eau, le feu, les explosions. Ça tu le rajoutes après que tu aies fini l'animation brute. Enfin, après les gens font ce qu'ils veulent. Ouais, Hein. là on parle de Mais ta technique de toute voilà, façon. Ouais. exactement, c'est ça, c'est ma technique. Et pour Et le... après, Ah pardon, oui. vas-y, continue. Oui, et après c'est juste comme je disais, son et caméra. D'accord. Donc ça, pour le son, comment tu procèdes? C'est les sons que t'enregistres toi? T'as une sorte de banque de sons que t'as récupéré un peu partout? Comment tu fais? C'est un secret. On va dire que je les ai empruntés parce que c'est hyper dur à avoir, enfin à faire soi-même vraiment. Par exemple, là, j'ai une banque de sons d'au moins plus de 3000 sons. Ok. Vraiment, largement plus de 3000 sons. Et je m'imaginais pas faire moi-même 3000 sons, en plus des trucs de l'eau, des cascades, du feu, des explosions, des voitures, tout ce genre de choses. Surtout qu'en plus, j'ai pas envie de me spécialiser dans le son, d'apprendre à créer du son ou à bosser Ouais. là-dedans. J'ai vraiment envie d'être enfin, efficace à ce niveau-là. Donc, j'ai emprunté des sons sur... En gros, j'ai récupéré des sons sur Internet. Après, bon, c'est pas que du téléchargement illégal. Hein. T'en as aussi même sur YouTube, où Ouais, ils il y en a des choses donnent partout. des sound effects. Voilà, il y a des choses. Donc, et après, et ben, tout simplement, tu écoutes chaque son et... Moi, par exemple, pour chaque animation, un personnage qui fait de l'électricité, eh ben, je vais dans ma banque de sons, j'écoute tous les sons qui sont en rapport avec l'électricité. Je me dis, ah là, ça lui convient, ça ne lui convient pas. Je fais mon choix. Et après, j'ajoute tout ça dans son animation. Et je fais ça étape par étape. S'il y a un personnage qui a une épée, je prends tous les sons d'épée, je lui mets. Si je suis en train de tomber du ciel, je vais prendre tous les sons où il y a beaucoup de vent, beaucoup de mouvement dans l'air. Je prends ça et je mets dans l'animation. Et c'est comme ça que je constitue le sound design de mon animation. Donc tout ça, c'est une fois que ton anime elle a été exportée de Flash et tu le mets dans un logiciel de montage pour ajouter ton son, Non, même etc. pas, c'est dans Dans Flash. Flash, tu mets le C'est dans son? Flash. Ouais. D'accord, ok.
J'ai très peu Comme ça, tu peux utilisé, le donc je faire sais au pas. fait. En fait, l'avantage, c'est que tu peux le faire au frame près. C'est vraiment à 0,1 seconde près, tu peux vraiment bien placer ton son pour faire en sorte que ce soit parfaitement placé. Ok. Et dans certaines, je les ai pas toutes revues, mais il y a des voix des fois. Enfin, ça arrive quelques Ouais, fois. si, y a Comment des ça marche voix. ça, ouais? Déjà, à la base, j'avoue que je voulais pas trop le faire, tout simplement parce que j'ai peur, hein, on va Ouais. pas se le cacher. Mettre sa voix sur un dessin animé, j'avais un peu peur. Mais les gens le demandaient et j'aime pas ne pas faire quelque chose parce que j'ai peur. Donc, quand j'ai peur, justement, quand j'ai peur de quelque chose, je me dis que ça peut potentiellement m'apporter quelque chose. Et du coup, je fonce vraiment tout le temps vers les choses qui me font peur. Et donc j'ai décidé un jour comme ça avec un ami à moi avec qui je travaillais beaucoup, d'ajouter nos voix dans un combat et ça rendait bien, les gens ont bien aimé. Et même après, eux, les gens qui créent les personnages, me disaient, oh moi aussi j'ai envie d'ajouter ma voix, moi aussi j'ai envie de la mettre. Et du coup, les gens ont encore plus cette impression d'être leur personnage parce qu'ils ajoutent leur voix, ils le créent de toutes pièces. Et donc, ça leur donne vraiment l'impression d'avoir créé un personnage à part entière dans une série animée, quoi. C'était vraiment ça que je me demandais parce que je savais pas si c'était leur voix ou pas, ou si c'était toi qui Si, faisais si. plusieurs voix ou je sais pas quoi, mais. Non, 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 je suis pas aussi talentueux, Ouais, donc mais. c'est eux ils te disent bon voilà, mon personnage est rouge, enfin non, rouge t'as dit qu'on pouvait pas parce que c'était les. Voilà, exactement, c'est Voilà, ça. rouge et noir il faut pas. Voilà, Il est c'est ça. violet, genre c'est B812, voilà son code couleur, je sais pas quoi. Et il a une méga épée plus un bras en métal, et en même temps il t'envoie une voix par rapport à une histoire que tu lui donnes, ou il dit des trucs comme Non, c'est ça. moi. Exact. En fait, moi, je lui dis. En fait, j'envoie pas l'animation parce que j'ai pas envie de les spoiler. Donc, je leur Ouais. dis juste, là, t'es en train de te battre contre quelqu'un et fais-moi plein de bruits, des bruits d'attaque aussi par rapport à ça. Et du coup, après, il t'envoie un ah, là, ah, ah. Et tu te retrouves avec un audio comme ça. Après, tu reprends juste tout ce qu'il t'a donné, tu le mets sur son personnage et voilà. Donc tu reçois un ah point MP3, t'sais. Oui, exactement. Mais après, pour les dialogues, là, c'est différent. Par exemple, Ouais. je l'ai fait dans ma dernière vidéo où j'ai travaillé avec deux autres youtubeurs. Et là, en revanche, j'ai dû leur envoyer l'animation parce qu'après, j'ai fait un peu de mouth. Lip J'ai sync. synchronisé. Ouais, lip sync, voilà. Ouais. J'ai fait un peu de lip sync, juste pour essayer. Comme ça, je voulais voir comment ça faisait. Et du coup, là, j'étais obligé d'envoyer l'animation, de leur envoyer l'animation. Pour qu'ils puissent aussi trouver quoi dire dessus, parce que faire juste des A, bon, ça c'est assez simple, Ouais. mais après vraiment poser un dialogue, en plus une interaction entre plusieurs personnages, mais en plus on n'est pas tous à côté des uns des autres, donc faire un dialogue par rapport à ça c'est un peu plus compliqué. Donc là en fait, tu es obligé d'envoyer à chaque fois l'animation aux gens pour qu'ils puissent poser leur voix dessus. Comme ça ils peuvent réagir à toi ce que tu dis. Attends, 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 juste 2 secondes, pose-toi et réfléchis-y. Casse-toi. Ah, mon Dieu, qu'elle est relou. Laisse tomber, Lascar. Putain, mais quelle tête de mule! Elle ne vaut pas un clou. Qu'est-ce que... Oh, mes balls! Juste pour l'anecdote, en gros, dans les films, les voix sont souvent faites avant que l'animation soit faite. Donc souvent, ils ont déjà l'animatique, donc tu vois déjà le storyboard et tout, mais l'animation est faite à partir des Ah, elle voix. est pas... Ah, C'est je avec savais les... même pas Bah, ça. t'as déjà vu peut-être quand tu vois les coulisses des films où tu as Ouais. juste des pupitres comme ça et puis ils sont en train de lire le texte. Ils sont en train de, ouais, ils sont en train L'animation, de elle lire le n'existe texte. pas à ce moment-là. Et ça arrive des fois qu'il y ait des persos qui se parlent pendant tout le film, sauf que les acteurs, en vrai, bah, ils ont jamais parlé en Ah, même ils sont temps, quoi. jamais. Putain, Ouais, c'est ouf ça. ça Faudrait que arrive je regarde parfois, ça en quoi. plus. Je place on dirait que je suis touché par la grâce. La grâce du Seigneur. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pas grave, je vais être un peu dans l'ombre. Mais ouais, là en gros, on a fait le tour de toute ta production. Et ensuite, ça, tu le diffuses et tu vois les réactions et tu te bases sur les réactions pour faire les prochains, quoi. Exactement. T'as pas une trame Exactement. avec une fin d'histoire ou j'en sais Bah, rien, c'est. après, entre chaque animation, je fais quand même des vidéos facecam où là, j'explique un peu tout ça parce que forcément, je peux pas juste, je peux pas juste faire les animations et faire en sorte que les gens comprennent automatiquement. Ouais. Faut forcément un narrateur et je suis
le narrateur. Donc je dis là, en plus, petit à petit, on ajoute aussi pas mal de choses comme des groupes de personnes, genre je leur dis souvent, formez des groupes entre vous, faites une histoire, ce genre de choses. Et tout ça, c'est des ajouts petit à petit. Je fais des vidéos facecam par rapport à ça. Et après, ben, je me base justement sur ces vidéos aussi, avec les nouvelles réactions des gens. Et ensuite, je passe sur l'autre animation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Bah là je pense qu'on a fait le tour de pas mal de trucs par rapport à la prod. Ouais. Tu voulais parler peut-être d'autres choses par rapport à l'anime ou de trucs que t'avais envie de dire, je sais pas. Attends, je réfléchis. Bah déjà, j'avoue, pendant qu'on y est, si toi, Benjamin, tu pouvais créer Ouais un moi. super-héros, il aurait quoi comme pouvoir? Attends, je vais noter. Ouais, c'est vrai que tu m'avais dit de faire un truc comme ça, après je t'avais Voilà. pas envoyé finalement. Alors, Voilà. là Aha. on parle des vraies choses, là tu vois, c'est. Voilà, Voilà. montre-nous ta créativité. Alors en gros, bon, je pense que la couleur, je vais voir après. Ouais, Je en dirais que mon faisant. perso, déjà, il pourrait voler. Ok, tricheur, Ouais. mais ok. Non, Non, on il va le dire vole que directement. il peut voler, mais il faudrait qu'il ait une contrainte un peu, tu vois. Genre, Non, mais vas-y, il. juste lâche-toi, dis ton personnage, t'inquiète. Alors attends. Genre il peut voler, il est pas très balèze, mais il va plutôt être malin. Alors, il peut voler. Genre il faudrait que ce soit un truc genre il fait en sorte que tu le vois pas quand il t'attaque ou j'en sais rien, tu vois, un truc un peu furtif. Et furtif. Ah ouais, toi, tu veux tuer les gens en traite, c'est ça? Ouais. T'es plutôt du genre traître. Oui, tout à C'est ça exactement. fait. Après, si vraiment, là, ce serait vraiment dans un cas où dans l'histoire il se passe un truc ou je sais pas quoi, où il tombe sur un mec qui n'arrive pas à tuer de cette façon-là, il va, je sais pas, genre il va se vénère mais à un point. Et ouais. Juste une fois, tu vois, c'est genre il va crever à la fin parce qu'il sera trop con, mais il va se vénère et il Va se va, vénérer et ouais. il va devenir balèze. Ok. Ouais, mais Alors, je ce sera comprends. son dernier quoi, ce sera son attaque kamikaze. J'ai écrit, il se vénère et devient balèze. Voilà. Ok, c'est noté. Et après la couleur c'est un bleu un peu foncé. Un bleu un peu foncé? Ouais, je saurais pas te dire une référence précise de bleu, je sais pas quoi, Oh, mais mais c'est t'inquiète, un bleu un peu t'inquiète. foncé Ok. Il a une arme ou il se bat avec ses poings ou un pouvoir? quoi. Ah ça franchement je sais pas. Il a pas d'arme de poing. Quand il est balèze, il va y aller au corps à corps, même si le mec il a une épée, tu vois. Il va se faire tronçonner le gars, mais il s'en fout, tu vois. Il se dit, bon, je vais crever, mais au moins je vais lui faire mal. Ah ouais, en plus tu me dis il est malin, après il devient brute, tu sais, le mec il réfléchit même plus et tout ça. Ouais, c'est ça, en fait, il veut être genre, oui, tout va bien, moi je suis un furtif, un ninja, machin. C'est juste que si à un moment donné, tu commences à. Il est en galère? à si tu Ouais. commences à être plus fort que lui, il va juste devenir con, en fait. Con et fort, ok, Voilà, c'est noté. mais ouais, je pense pas qu'il ait de. Non, bah il vole, c'est déjà pas mal. Ok, très bien, c'est Je noté. veux pas lui donner des trucs Tu vois. exprès, tu vois. Non, en fait, c'est un Oh non! robot et tout, et puis. Ouais! Mais il y en a plein des comme ça. Donc mon personnage, il a un katana, mais le katana il se multiplie à chaque fois. Et en plus, des fois, il se bat tout seul. En plus, je fais des lasers. Et en plus, quand je meurs, je revis. Des fois, il y en a, ils sont comme ça. C'est trop marrant. C'est C'est genre, ouais, vraiment en trop fait, marrant. je peux jamais crever, quoi, je suis Dieu, quoi, Voilà, c'est. exactement. Et en plus, je suis le dernier boss. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent. Donc en fait, j'aimerais bien être le dernier boss parce que voilà, je sens que je suis très fort. Des trucs comme On ça. dirait un C'est entretien trop marrant. d'embauche. Et alors écoutez, moi j'aimerais bien être Mais le plus c'est fort du ça. monde C'est ça. finalement. Je pense avoir les compétences pour intégrer votre équipe. Des fois, ça me fait penser à ça. Après, ils me disent, regarde mon histoire, elle est comme ça, mon personnage pense que Ouais, nanana. qu'en Donc, penses-tu? non, c'est hyper cool. Ouais, qu'en penses-tu? Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu vas le faire? Après, on me dit toutes les semaines, alors tu vas le faire? Alors tu vas le faire? Alors tu vas le Le faire? mec qui rafraîchit la Donc, page, mais il est où? ouais, mais après, ça, c'est un truc que j'aime vraiment faire. C'est vraiment, je suis ultra, ultra, ultra passionné par ça. Et bah, j'espère justement arriver le plus loin possible Ouais. sur YouTube là-dessus et pourquoi pas combattre un jour, je sais pas, Squeezie, Cyprien et Norman, enfin tous les grands YouTubeurs et faire une grande série. Alors là, je pense à un truc. Dis-moi, Ce serait c'est une idée? peut-être ouais, ce serait peut-être l'idée qui va conclure le machin. Tu vois, je note. J'avais vu un gars, je sais plus son nom, mais qui faisait des animations en stop motion avec des youtubeurs et il prend les voix des vidéos.
Et fait de l'anime avec. Donc tu vois, toi tu pourrais prendre des trucs où ils parlent, genre ils sont en train d'insulter je sais pas quoi dans leur jeu, et tu fais en sorte qu'on a l'impression qu'ils s'insultent entre eux et qu'ils se bastonnent. Et comme ça, Pas mal. ils ont même pas besoin d'être là, ils peuvent tomber dessus, et Et ils puis disent, ouais, parce que j'ai même pas besoin de leur demander, ouais, tu peux me prêter ta voix C'est pour faire une ça. vidéo? Après, ils me mettent en vent et après, ça m'énerve. Après tu te C'est vénères et pas puis mal. Et après, tu te ressens et tu vas les défoncer. Mais ouais, non, Mais franchement, ça peut être cool de faire ça. ouais, c'est une très bonne Comme idée. ça, t'as pas besoin d'eux et ça peut être un moyen. Comme ça, t'as pas besoin d'eux du tout, tu Voilà, vois. ça peut être Et un ouais. moyen un peu fourbe pour marquer leur nom dans un titre, tu vois. Eh. Pas mal. On sent le YouTube Consultant qui tourne marketing là-dedans. depuis l'âge de 8 ans. C'est trop ça, c'est trop ça. Tiens, bien vu, pas mal. Bon, je pense qu'on va conclure sur ce truc-là. Maintenant, les gens vont attendre. Parfait. Allez vous abonner à sa chaîne et s'il fait pas ça, vous allez le harceler dans les commentaires en disant Ouais, bah, hey, c'en est où l'idée, machin? parfait. Ben, merci en tout cas, c'était grave cool. Ouais, c'était Franchement, cool. c'est super cool. Et hâte de voir le résultat pour le coup. Ouais, bah je te laisse le message de fin. Ah ouais, le message de Ah, fin. et ouais, frère. Mais c'est quoi l'habitude, le message de frein, de frein, Moi de fin. je dis créer vos images et raconter vos histoires. Mais si t'en as un, tu peux le placer. Ok. Alors. Et je vais te laisser galérer au montage, hein, Ok. je couperai pas ça. Ok. Ah, tu vas pas le couper? Non, Non. tu veux pas me faire ça. Mais soyez créatifs et on se retrouve très 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 bientôt sur le champ de bataille. Je compte sur vous.